J'ai développé une technologie électronique innovante. Des capteurs de grandeur mécanique, peu encombrants, non invasifs et qui se connectent sur tous les réseaux. L'intérêt de cette techno, c'est que je peux la vendre dans de très très nombreux domaines. Fort intéressant tout ça. Et tu as commencé à en vendre? Oui, alors je suis allé voir un fabricant de machines mécaniques complexes. Et je lui ai fait mon pitch qui avait fait un tabac auprès des investisseurs. Laisse-moi deviner. Tu lui as expliqué ta technologie? Ouais, et ça a fait un grand flop. Il n'a rien compris à la puissance de ma techno. Et pourtant, j'ai écouté ton pitch. Tu vulgarises bien. Même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la nanomécatronique. Oui, mais il n'a absolument pas compris que ma techno avait une énorme valeur pour lui. Tu as parlé à quelqu'un qui est un spécialiste des machines mécaniques complexes. Il est aussi pointu dans sa spécialité que toi dans la tienne. Vous êtes dans deux mondes disjoints. Il construit des machines super performantes sans ta techno depuis plus de 30 ans. Tu penses que tes capteurs lui apporteront quoi? C'est évident, il installe très facilement mes capteurs aux endroits les plus critiques de sa machine. Il remonte les mesures et ça lui donne en temps réel la cadence et l'usure des pièces critiques. Comme ça, il fait de la maintenance avant que ça tombe en panne. Bon. Alors, je te propose d'aller le voir et de lui suggérer de te parler de la maintenance de ses machines. Si ce qu'il te dit colle avec tes capteurs, alors tu pourras lui glisser que tu peux lui faire gagner du temps d'utilisation de sa machine et éviter des casses. Mais surtout, prends le temps de le faire parler avec des questions très ouvertes et de bien l'écouter. Bon, je reviens de chez mon client, c'est planté. D'abord, il a déjà des capteurs qui sont nettement moins performants que les miens, mais il s'y est habitué et il ne veut pas en changer. En plus, la maintenance, bah, c'est pas du tout un problème pour lui. Il n'a jamais de casse, ses machines ne sont pas utilisées 24-24. Finalement, il est un peu à l'ancienne, mais ça marche bien et donc j'ai pas pu lutter. Bon, déjà, tu as fait un premier pas. Mais tu vois que quand on pense à un besoin client, on peut se tromper complètement. Mais je te propose de retourner le voir et de le faire parler sur son métier, sur ses difficultés, ses problèmes. Écoute bien tout et reformule quand tu ne comprends pas son jargon. Essaye de faire en sorte de découvrir ce que lui ne sait pas dire de façon explicite. Note tous les indices et apprends son vocabulaire. Pose des questions ouvertes et reformule. Bref, pratique l'écoute active. Bon, je reviens de chez mon client, j'y ai passé 1 heure et demie, il a parlé tout le temps et j'ai découvert son métier qui est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. En fait, j'ai juste relancé quelques questions montrant que je m'intéressais à son métier. Au bout de 45 minutes, au détour d'une phrase, il m'a parlé d'un problème qui avait été posé par un de ses clients. Et là, ça a fait tilt. Et tu l'as arrêté pour lui dire que tu avais une solution. Bingo! Eh bien non, je l'ai laissé parler car j'ai continué à apprendre tout plein de choses très très intéressantes. Et à la fin, je l'ai à nouveau guidé vers le problème de son client. Et on l'a formulé ensemble de façon très claire. Bravo! Donc, il ne te reste plus qu'à réfléchir comment ta techno va pouvoir répondre à ce problème et tu vas lui présenter avec ces mots à lui. Oui. C'est ce que je vais préparer. En plus, avec tout ce qu'il m'a dit, j'ai une très bonne idée de la valeur que ça peut avoir pour lui et aussi des quantités qu'on pourrait vendre. Je vais vérifier que tout ça, ça passe pour moi. Mais la prochaine fois, je pense qu'on pourra se mettre d'accord pour lui fournir des échantillons et puis valider un prix et une quantité annuelle si l'échantillon lui donne satisfaction. Un brin d'empathie, beaucoup de curiosité et de l'écoute très active rapporte plus de ventes qu'un pitch même percutant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux.